Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau studio Domitis. Nous sommes ici à la résidence de Bourg-la-Reine et je remercie chaleureusement la direction et son équipe pour son accueil. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir découvrir un métier passionnant, compositeur de musique de film. Et pour nous parler de ce beau métier, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Philippe Rombi. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe, vous êtes pianiste, chef d'orchestre et compositeur de musique de film. À votre actif, alors plus de 50 bandes originales, donc j'ai mon petit papier parce que ça commence à faire beaucoup. Vous collaborez régulièrement avec François Ozon et je vais citer quelques, quelques titres de films Les Allemands criminels, Une hirondelle a fait le printemps, Jeux d'enfants, Joyeux Noël, Bienvenue chez les Ch'tis, Jeune et jolie, Mes très chers enfants et le dernier en date, Mon crime de François Ozon, une nouvelle fois. Quatre fois nommé pour le César de la meilleure musique originale et puis en 2018, vous recevez le Grand Prix de la musique pour l'image de la SACEM. Un beau parcours J'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas vu les années passer, non. Eh bien, je vous propose, Philippe, de nous raconter plus en détail votre parcours. C'est parti. Alors, Philippe, quand ça a commencé, cette magnifique aventure Dans ma tendre enfance. Quel âge Trois ans. – Bébé presque. – Oui, bébé presque, oui. oui. Ben, je, je, déjà, je euh, suis toujours endormi en chantant, même avant en 3 ans. Donc, euh, ce qui <laughs> dérangeait un peu ma famille, mais il fallait que je me berce tout seul en chantonnant des, des choses diverses et variées. Euh, mais sérieusement, à, à trois ans, j'ai eu un, un petit orgue, euh, ouais. voilà, euh, comme souvent les enfants ont un mmh. petit jouet, comme ça. Et cet orgue, ben, c'était un petit moment de, de plaisir pour moi. J'allais dessus euh, pour euh, essayer de refaire d'oreille euh, ce que j'entendais euh, à, à la télévision ou à la radio. Oui, par exemple, quel morceau euh, Par exemple, ben, je m'en souviens, c'était euh, de Mamie Blue, par exemple. Oui. Voilà, ça ne me rajeunit pas trop, mais voilà, c'était Nicoletta qui chantait Mamie Blue, et, et donc il fallait absolument que je refasse euh, l'air de Mamie Blue sur mon petit orgue d'oreille ouais. comme ça. Ça devait, ça devait impressionner beaucoup les adultes, non euh, oui, c'est vrai que comme j'étais arrivé à quand même à, à trouver toute la mélodie, mmh. euh, il fallait aussi que je mette quelques petits accords avec. Ça m'a toujours, euh, toujours poursuivi. Ça, il fallait que j'ai un peu d'harmonie. D'accord. Donc, Donc euh, je cherchais aussi euh, qu'est-ce qui pouvait aller bien avec la mélodie. La mélodie Donc, mais euh, étoffée. Un petit peu, enfin, oui. avec mes moyens de l'époque. Hein. Oui, oui, mais quand voilà. il y a une belle prédisposition. De... Il y avait, à... il y avait il y une... Oui, déjà une flamme qui, 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 était, qui était allumée. Donc ça a interpellé mes, mes parents. Mon père, qui avait été musicien quand il était jeune, il s'est dit tiens, euh, il y a quelque chose ah, peut-être ouais. à, à gratter là. Voilà. Et donc, quelques temps après, c'est comme ça que j'ai pu enfin euh, vraiment. Là, ils vous ont proposé euh, de prendre des cours de piano. Tout de oui, suite, oui. Ou, euh, bon, D'abord, mon père qui avait fait du violon quand il était jeune voulait, voulait que je fasse du violon. Ouais. Donc, euh, j'ai essayé un peu le violon, ça ne m'a pas convenu. Justement, mmh. pour ce, ce, ce besoin de, yes. de, de beaucoup d'harmonie, de, 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 des accords, ouais. des choses, de, des basses, des aigus, des médiums. Enfin, voilà, j'avais mmh. besoin de... de m'exprimer avec beaucoup de avec grandes ça. palettes a priori. Donc Et les, donc, les euh, débuts des cours c'est à quel âge Envers 6 ans. Vers 6 ans. Oui vers 6 ans euh, parce que on avait dit à, à mes parents c'était vous savez c'était l'ancienne école un petit peu euh, où il fallait apprendre le solfège d'abord. Maintenant ouais. c'est un peu plus tout ça va un peu mieux ça s'est assoupli mais à l'époque euh, donc il a fallu d'abord que j'apprenne un peu la théorie mmh. euh, les notes. Avant d'avoir le droit de faire du piano. De faire un peu Oui, maintenant c'est un peu l'inverse. On fait d'abord. Non, euh... ça se fait en même temps, voilà. souvent. Ça existe toujours, hein, mais ah oui. bon, ça s'est assoupli. D'accord. Et donc là, vous prenez des cours avec euh, un professeur. À quel... à quel âge vous allez rentrer au conservatoire où là ça va devenir un petit peu plus sérieux, en tout cas plus d'heures d'études de, de piano euh, vers, vers 12 ans, en fait, j'ai commencé <laughs> vraiment à, à, à 9 ans des cours un peu plus sérieux. Euh, et après, on s'est aperçu euh, que ben, ça me plaisait vraiment. Et euh, mes parents se sont renseignés pour le conservatoire. Voilà, Alors, national. à Marseille, hein, on n'a pas oui. dit d'où vous étiez, mais c'était donc le conservatoire voilà, de musique. De Marseille, à, à Marseille, mais il n'y avait qu'un conservatoire national de région, donc c'est déjà un conservatoire d'un certain niveau. Donc, pour y rentrer, euh, il y avait un concours d'entrée. Et, et comme je commençais à avoir un âge, euh, finalement, pour le, le, pr le premier niveau du conservatoire mmh. limite, Mmh. J'avais dû euh, directement rentrer euh, une année plus loin. Donc j'avais travaillé très fort tout l'été pour passer le concours d'entrée qui correspondait mmh. à mon âge, euh, mmh. euh, c'est-à-dire 12 ans. À 12 ans, d'accord. Ouais. Vous nous avez apporté une, euh, une photo euh, avec votre Oula. professeur, euh, M. Ah, oui. Barbizet. Voilà. Donc là, ah. vous n'avez pas tout à fait 12 ans. <laughs> non, c'est un peu plus tard. J'étais avec Léa Roussel d'abord, euh, qui, qui était une magnifique professeure de piano. Et puis quand on avait, on va dire, le, le Graal, c'était de rentrer dans la classe de Maître Barbizet. C'était ah, le directeur oui. du conservatoire, qui est un pianiste, voilà, réputé et célèbre, et qui qui, a, qui avait un charisme et euh, c'était un personnage euh, vraiment euh, unique. Oui. Et euh, voilà, c'était la récompense d'être un jour dans sa classe. Ça voulait dire qu'on était arrivé dans la dernière classe, la médaille, d accord, d accord. pour passer son, son, sa médaille d'or, si on avait la chance d'avoir la médaille d'or. Et là. Vous continuez à improviser, enfin, vous ne vous, vous, vous contentez pas des cours ou du travailler les partitions qu'on vous donne aux conservateur, mais vous continuez de jouer pour vous, de faire de l'improvisation. Voilà. Qu'est-ce qui vous pousse justement à jouer toujours plus, à vous exprimer, à composer bah, C'est quoi votre moteur Ça c'est venu de l'enfance, on parlait de l'enfance tout à l'heure en fait. J'ai toujours eu besoin d'exprimer de, des sentiments avec la, avec la musique. Mm. Donc, euh, quand j'étais enfant, déjà, je rentrais de l'école et j'allais au piano, mais pas pour faire mm. mes gammes mm. et euh, mon Chopin, mon Beethoven, etc. Mais d'abord pour improviser des choses euh, qui correspondaient sans doute à mes humeurs, à mes, mes sentiments mm. du moment. Mm. Et une fois que j'avais, comme un journal intime, un peu euh, couché sur mon au lieu oui, de sur un, un papier peu... mais mes, mes émotions là je pouvais prendre mes exercices et voilà donc ça euh, ça m'a poursuivi toujours Jusque pendant le conservatoire, euh, même si j'avais un professeur en retard, j'allais au piano puis je, je jouais un peu ce qui me passait par la tête. Oui, c'est euh, euh, un besoin d'irrépressible. Oui, oui, un besoin d'exprimer musicalement des sentiments. Oui, 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 je comprends. Et pendant les études, donc, euh, bah, vous, 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 vous travaillez le solfège. Et là, vous disiez, quand on a préparé euh, l'émission, bah, c'est là où vous allez pouvoir un petit peu nommer euh, ce que vous avez euh, improvisé. En fait. oui. C'est mettre des mots euh, techniques. C'est ça. Euh, sur ce que vous jouez Mettre un nom, euh, une théorie, euh, parce que ça s'est fait un petit peu à l'envers. Comme j'improvisais, je, euh, je, je, enfin je composais, entre guillemets, je, je, des, 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 des notes et des volutes de notes et des, dans tous les sens. Mmh. À un moment donné, il euh, y avait des choses qui étaient jolies, a priori, puisque mes, mes parents, mon frère qui était à la maison, ou ma maman me disaient Mais c'est joli, qu'est-ce que tu as joué alors Je dis, je ne sais pas. Oui. Ah bon Tu peux nous le rejouer euh, Je ne sais pas, parce que c'était de l'improvisation. Mm. Donc, à force de s'entendre dire, mais tu devrais l'écrire, mais tu devrais l'enregistrer, mais tu devrais le garder, en fait, l'immortaliser le, 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 ou le, 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 le matérialiser, mm. eh ben, c'est comme ça que j'ai, euh, euh, grâce à mes études euh, de, de musique, que ce soit solfège, piano à haut niveau, euh, direction d'orchestre, on en parlera après, mais grâce à toutes ces études, j'ai pu euh, mettre un nom. Et apprendre à écrire <laughs> tout ça d'une manière sérieuse et professionnelle. D'accord. Éventuellement pour que quelqu'un puisse les rejouer aussi. Parce Exactement. Que ça a quand même cet Vous avez mentionné votre grand frère. Il a été source aussi d'inspiration pour vous. Oui, parce que bon, il chantait, il était un chanteur dans sa jeunesse chantait tout le temps, et puis il avait une collection de disques, il a 12 ans de plus que moi, donc euh, mmh. il ne sera pas content s'il si m'entend, mais voilà. Et, <laughs> euh, mais c'est affectif ce que je dis, et, et, et j'allais euh, un peu euh, lui piquer sa collection de 33 tours, euh, qui était très riche, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert un peu plus la musique de cinéma parce qu'il avait beaucoup de, de disques de, de musique de film. là à ce moment-là vous vous dites bah, ces musiques-là ces musiques de film, elles euh, elles sont assez proches de ce que moi j'improvise pour euh, pour comment dire exprimer mes émotions exactement vous disiez ça ressemble aussi un peu euh, aux symphonies qui racontent des histoires etc et c'est vos improvisations racontent aussi des histoires parce qu'elles racontent votre, euh, vos émotions, etc. Exactement. Et c'est ce que vous disiez, hein. c'est là où vous vous y retrouvez en fait. Oui, il y a eu un alignement de planètes entre, entre mmh. le Exactement. fait que dans mes études, de, 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 j'aimais toutes les musiques classiques à programme, les poèmes symphoniques, les musiques mmh. de ballet. J'étais attiré par ça. Mmh. Et en même temps par la musique de cinéma. Et à l'adolescence, je me suis passionné pour le cinéma. Et donc, tout ça, et moi je racontais des sentiments de la vie des gens, de, de ce que je vivais oui. au quotidien par la musique. Donc, j'ai continué, l'arrivée la, la, de la musique de cinéma s'est faite d'une manière naturelle Naturel. parce que c'est comme ça que, que, que j'allais pouvoir raconter, continuer à raconter des histoires. Alors là, au conservatoire, puisque vous, vous décidez d'écrire vos compositions, de mettre sur le papier ce que, ce que vous vivez, et vos, vos, vos sentiments et vos émotions, à quel âge ça se passe Et puis, comment qu'est-ce qu'on fait Il y a des cours spécifiques. Comment ça se passe Au début, non. Euh, non, je continuais mes, mon cursus classique hein, de, de, de pianiste, surtout, puis d'écriture. Un petit peu, j'avais commencé... Euh, à écrire un concerto, vous savez, on a des idées quand on est, mmh. on est jeune, euh, un peu folle. Donc j'avais com commencé un concerto pour piano, et puis euh, un professeur d'écriture a entendu ça, et était très, très enthousiasmé, il m'a dit il faut arrêter l'école, il faut te consacrer à la musique, etc. Bon, mes parents ont, tempé ont, ont tempéré ces, ces propos, et j'ai continué mes études tranquillement, et puis euh, après euh, j'ai commencé à, à regarder. Euh, la biographie, la, la vie des compositeurs qui me faisaient rêver. Mm. Euh, John Williams, euh, Ennio Morricone, ouais. euh, etc. Enfin, et et, et j'ai essayé de, de voir quels étaient leurs parcours. Donc j'ai vu que c'était des, des compositeurs qui avaient une, une, souvent une formation quand même sérieuse euh, et qui dirigeaient aussi euh, leur musique. Moi, j'étais pianiste, je n'étais pas chef d'orchestre du tout, donc j'étais assez réservé, timide, et donc je ne me voyais pas monter sur un pupitre devant 80 musiciens comme ça. Donc euh, mes parents m'ont encouragé, si c'est ta passion, si c'est ce que tu veux faire, va, va voir le professeur de direction d'orchestre, va lui dire que tu veux faire de la direction d'orchestre. C'était le sous-directeur du conservatoire, donc j'étais très intimidé. Il était toujours au, au jury de nos, de nos concours diverses. Donc, c'était une forte personnalité. Et donc, j'ai voilà, pris mon courage à deux mains et je suis allé. Vous dit, oh, êtes allé monsieur, demander euh, pour prendre j'aimerais faire de la direction voilà. d'orchestre, s'il vous plaît. Et oui, donc, il faut <laughs> étudier la direction d'orchestre pour pouvoir euh, faire jouer les orchestres sur ces compositions de musique oui, de film. Oui, ce n'est pas obligé. Il y a des qui ne dirigent pas, Bien mais sûr. en tout cas, les gens en qui… En tout cas, qui, ceux qui comptaient pour vous voilà. et les compositeurs de musique de film dont vous reconnaissiez le talent et euh, vers lesquels vous avez envie d'aller, voilà, ils mais, ont mais, tous dirigé mettre, leurs orchestres. Euh, vous allez nous raconter ça plus en détail dans le prochain chapitre. Oui. Ça me rappelle quelque chose, ça. Peut-être. Bien joué. Vous avez fouillé dans ma... Dans ma... Dans, dans <laughs> On a extirpé dans ma vie antérieure. Et en même temps, ça a l'air proche et loin en même temps. C'était le écoute, morceau. On a, écoute l'ouverture de Coriolan de Beethoven. Oui. Voilà. Et pourquoi ça vous rappelle quelque chose Parce que ben, quand j'ai voulu rentrer en classe de direction d'orchestre, il y avait un concours d'entrée et donc euh, il fallait diriger euh, ce qu'on est en train d'écouter. C'est l'ouverture de Coriolan de Beethoven. Voilà. Donc. Euh, C'est un morceau donc, difficile. C'est difficile à, à diriger. C'est une montagne quand on n'en a jamais fait. Imaginez-vous, vous, euh, vous n'avez jamais dirigé l'orchestre, et puis on vous dit, le concours d'entrée, c'est du Beethoven, avec un orchestre symphonique. Il faut monter sur le pupitre, là, devant tous les musiciens qui sont euh, euh, soit des, des copains, des copines... Que, euh, qui, Mais alors, qui, vous vous entraînez avant Des grands, se... des, des... Comment pointus. ça se passe ben, on On, on, comment on, fait pour on a quelques, quelques temps de cours, d'abord, euh, avec oui. le professeur quand même de direction d'orchestre. On découvre les partitions de, de chefs d'orchestre mmh. qui sont pas du tout, ne sont pas du tout les mêmes que les partitions de piano ou d'instruments, de violon, etc., puisque ce sont des partitions où se retrouvent réunis sur la même page tous les instruments euh, de l'orchestre. Quelques lignes, quelques portées. Quelques portées dire. nombreuses, voilà, voilà, portées. voilà, voilà. Et donc il faut apprendre déjà à lire verticalement euh, la musique et les parties de tous les musiciens en même temps donc quand vous entendez euh, quelques secondes de musique vous avez déjà tourné la page c est, c est, <laughs> voilà alors quand je suis arrivé en cours de direction d'orchestre je me souviens j'avais des, des grands déjà aguerris là qui étaient là ouais. en train de, avec leur partition qui faisaient comme ça moi j'étais perdu j'étais là j alors le, le, le grand à côté me dit Tourne, tourne, tu peux tourner trois pages. » Parce que j'étais déjà passionné de voir comment étaient écrits les cordes, euh, les cuivres. J'étais en train de, de rêvasser sur, sur, sur par les gourmandise peurs. sur les partitions. Et, et le copain à côté me disait « Tu peux tourner, tu peux tourner. » Et donc, là, ça dure combien ces, ces études-là, enfin, cette partie-là d'apprendre la direction d'orchestre oh, bah, Ça peut durer, ça peut durer. On apprend toute la vie, mais bon, c'est un cliché, mais… Les études peuvent durer très longtemps. Moi, je n'ai pas fait des études de direction d'orchestre pour devenir oui. un chef d'orchestre de métier, de métier. Qui, qui dirige des symphonies de Beethoven, et de Brahms, etc. Mm, mm. Moi, je voulais juste apprendre pour pouvoir diriger mes musiques si euh, je composais pour orchestre. Oui, voilà, si j'arrivais un jour à faire la musique euh, que j'avais dans ma tête, de pouvoir au moins oui, l'exprimer. Voilà, ouais. euh, donc, j'ai fait mes études jusqu'au prix. J'ai eu mon premier prix. Alors et Et après Et après Qu'est-ce qui se passe et après, eh bien, vous sortez du conservatoire et vous avez envie de faire euh, toujours la même chose, de la musique de film. Et là, vous êtes un peu dans l'inconnu, dans, dans, oui, dans le fait, vide, parce que il n'y a pas de fiche euh, métier. Il n'y a pas de fiche métier. Il n'y a pas de parcours. Euh, à l'époque, du moins, c'était très très mal renseigné. Il n'y avait pas de, tout ce qu'il mmh. y a aujourd'hui. Il n'y a pas de classe de musique de film, vraiment, ouais. dans des conservatoires. Donc, je me renseigne. J'apprends qu'il y a une classe à UCLA en Californie. Mmh. Euh, donc, je dis, bon, euh, bah, si c'est là qu'elle est, euh, allons-y. Euh, faisons. Alors, j'ai écrit, ouais. euh, etc. Et puis, euh, c'était très, très cher. Ouais. Voilà, mes parents ne pouvaient pas. Ce n'était pas possible. Donc, euh, et là, par hasard, j'ai voilà, appris en tout cas… Il y avait une classe de composition de musique de film à l'école normale à Paris. À Paris, donc ça, c'est vous l'avez intégré C'était assez ça... récent. Voilà. À quelle année euh, Ça devait être dans les années 90, euh, aux alentours de 90, 91, par là. Je, je demande à rentrer dans cette classe on me oui. dit qu'il faut déjà être compositeur pour être accepté. Donc euh, j'ai euh, réuni les quelques compositions que j'avais euh, dans, mon, dans mon escarcelle. Euh, une, un début de poème symphonique, un quatuor avec piano, une sonate pour euh, violoncelle et piano. Enfin, j'ai envoyé ça comme une bouteille à la mer à Antoine Duhamel, qui était le professeur euh, qu'on connaît euh, euh, pour ses musiques, euh, pour Godard, etc., le compositeur de la nouvelle vague. Et euh, j'ai attendu impatiemment la réponse. Est-ce que, est que ça allait être positif ou pas Finalement, il m'a dit « Bienvenue dans la classe ». Et me voilà parti à Paris euh, euh, toutes les semaines, puisque oui, je n'étais pas autour. installé à Paris. Donc voilà, donc je, je donnais mes cours. Quand j'ai eu mon prix conservatoire, j'ai eu la chance d'avoir un poste de professeur de piano. Donc je donnais mes cours de piano et ça me payait mes études et mes voyages à Paris toutes les semaines. D'accord. Donc vous vous installez à Paris à quel moment Enfin, de toute façon, euh... En 92, en fait, en 92, <laughs> après avoir eu, eu de... le prix de composition, c'est la vie. Voilà, c'est ça. C'est le, le prix ou c'est diplôme supérieur de composition, c'est ça, C'est quand on sort de cette école. Ça. Ça. Donc vous vous installez à Paris. là, voilà, euh, comment comment on gagne sa vie euh, Mal. <laughs> <laughs> bah ben, oui, on, on, je suis parti avec deux mois de loyer d'avance, donc euh, il fallait que je me bouge. Oui. Alors. Voilà, c'est tout. Donc ben, on démarche, on, on, on essaye de... Voilà, j'ai continué à donner mes cours, mes diplômes m'ont servi quand même ouais. d'être crédible euh, pour donner des cours, des cours de piano. Et à côté, euh, on, ben, on, on, on s'est fait quelques relations avec des jeunes de l'école de cinéma. Pendant mes études à l'école normale de composition de musique de film, on avait euh, parfois nos examens de fin d'année. Qui se faisait en partenariat avec les examens des élèves de l'école de cinéma, la FEMIS. Donc, ça, 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 vous allez nous le partager en détail, mais ça va être les premières compositions vraiment à poser sur des images oui, euh, de courts-métrages, entre autres. Oui, c'est ça. ça. On, on passait nos examens de fin d'année de compositeurs à illustrer musicalement le travail des monteurs oui, images de la FEMIS. Oui. Et euh, du coup, on dirigeait nos musiques euh, dans les locaux de l'école de cinéma en fin d'année, mmh. ce qui fait que des jeunes réalisateurs passant par là, étudiants, pouvaient éventuellement euh, avoir euh, l'oreille. Euh... Ça, ça, ça se faisait de façon euh, habituelle ou c'est parce que vous l'avez initié avec euh, d'autres étudiants à ce moment-là ou c'est quelque chose qui se fait naturellement euh... Non, c'était venu d'une demande à notre professeur d'essayer d'avoir un échange avec des, des ouais. jeunes aussi qui créaient des images, hmm. puisqu'on voulait créer, nous, des, des musiques sur Je des images. Sur images. Et donc, euh, on avait eu cette chance qu'Antoine que, qu Duhamel, avec sa notoriété, puisse euh, obtenir un partenariat avec l'école de cinéma et nous faire passer nos examens là-bas. Donc ça correspond au démarrage un petit peu de la voilà, composition spécifique pour les images. Euh, et là, c'est aussi là où vous rencontrez certaines personnes bah, qui vont compter, qui vont vous faire démarrer un petit peu la, cette carrière-là plus particulièrement Oui, j'ai commencé à faire des musiques pour des courts-métrages, donc de fin d'année, des, 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 des étudiants réalisateurs. Oui. Euh, notamment un étudiant qui avait remarqué donc, la musique d'un de mes concours. Qui avait aimé ah, ça oui, oui. et qui est venu me voir en me disant Voilà, je prépare l'année prochaine mon, mon, mon film de, 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 de promotion. Est-ce que tu veux faire la musique Donc là, c'était le, le bonheur de commencer enfin à faire une musique qui n'est pas un exercice d'examen, de, de, mais un vrai, une vraie musique de fiction. Et il s'appelait comment Il s'appelait Jean-Yves Philippe. Jean-Yves Philippe. Oui. Voilà. Et donc euh, après, ça s'est su. Euh, la copine du copain de ah ouais. Ouais, mais qui a fait la musique pour ton film c'est super il ne peut pas faire pour moi aussi et c'est comme ça que j'ai fait des courts métrages les uns derrière les autres euh, en attendant un jour on a... ouais, le on, premier on long métrage euh, dans un engrenage en fait ouais, dans bon. un réseau on se fait connaître oui quoique bon dans, le, dans la composition de courts métrages malheureusement aucun des réalisateurs vraiment mm. a, a fait une carrière de, mm. pour faire des longs métrages donc j'ai accumulé des musiques de courts métrages sans concrétiser euh, finalement. Mais ça m'a servi de démo toutes ces musiques que j'ai réunies euh, sur un, un, un enregistrement que je donnais comme, 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 comme encore des bouteilles à la mer, hein, mmh, à, à des boîtes de production, euh, à des, mmh. des relations, des, mais vraiment dans l'incertitude dans, dans absolue. C'est ça. On va rentrer maintenant avec vous dans le milieu du cinéma. On y va. Okay. Alors maintenant, nous allons, euh, Philippe, vraiment rentrer dans le milieu du cinéma. Vous vous êtes installé au piano, donc on va avoir la chance de vous entendre jouer quelques extraits ou des improvisations, je ne sais pas. une bon surprise, voilà. <laughs> Mais pour démarrer un peu cette séquence, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu comment s'est passé le premier film que vous avez, pour lequel vous avez composé. Donc c'était Les Amants criminels de François Ozon. Comment vous l'avez rencontré Enfin, comment ça s'est fait Et puis comment ça s'est passé vous eh bien, ça s'est passé que j'avais, euh, comme je le disais tout à l'heure, laissé euh, des démos de mes courts-métrages, mes musiques de courts-métrages. Et euh, ces, ces, ces musiques étaient arrivées dans les mains d'un jeune producteur, euh, Olivier Delbos, qui avait fondé avec Marc Missonnier Fidélité Productions, qui est une mm -hmm. euh, maintenant qui est une illustre maison de production, mais qui, qui démarrait à l'époque. <coughs> Et euh, François Ozon euh, faisait partie des, des, des premiers réalisateurs avec qui cette production travaillait. Et il avait donc euh, euh, produit, euh, réalisé déjà des, longs, des courts métrages, des moyens métrages, etc. Et son premier long métrage, ça devait être euh, Les Amants criminels. Oui. Mais il n'avait pas pu le monter tout de suite. Le film coûtait un petit peu cher, donc il avait fait sitcom d'abord, qui avait assez bien marché. Et euh, c'est comme ça qu'il a qu euh, entrepris de, de, de tourner. Euh, par la suite, Les Amants Criminels. Euh, et euh, le compositeur de sitcom avait fait la musique, mais ça ne convenait pas à François. D'accord. Donc, euh, voilà, il avait essayé encore un autre compositeur qui était dans, dans, aussi dans le cinéma. Euh, évidemment, mmh. tout le monde était plus connu que moi, <laughs> puisque je ne l'avais pas fait. Euh, et ça ne l'avait pas non plus. Et donc, son producteur lui a fait écouter mes musiques, parce qu'il aimait beaucoup mes musiques, il trouvait qu'il y avait un potentiel pour faire des films, des longs métrages. Il me disait toujours, mais tu devrais faire du long métrage avec ça. Voilà. Et, et François a accroché, et c'est comme ça que j'ai fait un premier essai. Euh, j'ai reçu une VHS à l'époque, bah oui. euh, <laughs> un, 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 un jeudi, et, et il m'a dit, voilà, le, le film comporte un certain nombre de musiques déjà achetées, de musiques existantes, des mm -hmm. symphonies, des musiques de répertoire diverses, mais il y a un endroit... Où euh, vraiment, chose où il y a rien qui marche, et François voudrait que une musique à ce moment-là. Mmh. J'ai dit très bien, donc j'ai reçu ça, j'ai fait la musique de cet endroit-là, mmh. mais j'ai pas pu m'empêcher de laisser dérouler le film pour ouais. voir s'il y avait euh, euh, comment écoutez, finissait le film. Écouter le film, en fait. Voilà, écouter <laughs> le film. Et là, à la fin du film, il y avait une, 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 une composition de Dvorak, enfin, un bel enregistrement, magnifique, etc. Mais par rapport à l'image, je me suis dit, tiens, j'aurais pas fait ça. Donc j'appelle le producteur et euh, avec euh, l'audace de la jeunesse, je lui dis, euh, euh, j'entends un, un, <laughs> <laughs> une symphonie à la fin, est, qui est très belle en soi, mais pour l'image, il me dit, pourquoi tu veux proposer quelque chose Est-ce que je peux Je lui dis, il me dit, mais bien sûr, si tu as des idées, vas-y. Bon. Donc je fais euh, un morceau pour toute la fin du film et j'ai rendez euh, voilà, rendez-vous <laughs> la semaine d'après avec François Ozon, que je découvre donc, en salle de montage son... <laughs> Et c'est comme ça qu'il euh, écoute la première musique qui lui plaît. Et euh, au moment de partir, le monteur lui dit Mais non, euh, ne pars pas, Philippe a fait encore un autre morceau. Ah bon euh, Voilà. Et il a écouté ce morceau il l'a comparé à la symphonie en question oui. mais il s'est aperçu que ça marchait mieux, même si c'était fait encore avec des, 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 des machines, des synthés, qu'on n'avait pas encore enregistré mmh. la musique. Euh, il a eu cette, cette oreille de, 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 de déceler que ça marchait mieux à l'image, finalement, même si l'enregistrement était mauvais. Mais que ça marchait mieux à l'image voilà, que le morceau qu'il avait. Correspondait mis. Donc mieux il m'a dit ce... Est-ce que tu peux l'enregistrer la semaine prochaine avec orchestre Je dit Oui, bien sûr. Il a pas de problème, <laughs> hein, un peu de stress quand même. Oui, voilà. J'ai pris mon crayon, <laughs> ma gomme et voilà. <laughs> oui, c'est ça, tout léger. Et donc il vous rappelle pour un deuxième film Oui, quelques temps plus tard. Euh, qui s'appelle Qui s'appelle Sous le sable. Vous nous jouez un petit morceau euh, Je vais essayer de m'en souvenir. Hum <laughs> Merci beaucoup. Donc, ça, c'est le deuxième film. Donc, là, dans le premier, évidemment, le, le premier, là, le, le film est déjà euh, tourné, monté. Mais est-ce que c'est tout le temps comme ça que ça se passe Ou on vous envoie d'abord le scénario et vous dites Oui, j'imagine que je peux faire la, la musique dessus. Oui, on me demande de faire telle ou telle scène et c'est comme ça que je vais l'interpréter. Ou il faut que le film soit tourné Comment ça est-ce que c'est à chaque fois la même chose Non, ce n'est pas toujours la même chose. Euh, mmh. En fait, euh, euh, c'est bien qu'on parle de Sous le sable parce que ça a été la première fois où euh, j'ai composé de la musique avant euh, la fin du tournage. Ah oui. Donc euh, François avait tourné la, le film en deux saisons mmh. et donc il a profi profité de la pause euh, qu'il avait pour euh, me faire intervenir. Donc, il m'a montré quelques images, mais il m'a donné le scénario pour que je trouve les idées globales euh, sans voir la, la suite du film en, en, en images, en fait. Donc, j'ai composé à la fois à partir de quelques images qui m'ont donné un petit peu l'ambiance euh, et qui m'ont montré Charlotte Rampling, Bruno Kremer à l'écran. Et j'ai lu le scénario pour, pour vraiment avoir toute la suite de l'histoire et trouver vraiment le thème fondamental que je, que je viens de jouer. Euh, et qui, euh, qui, qui a servi d'inspiration aussi à François, qui l'avait du coup pour tourner la suite de son film. Eh oui. Donc ça a nourri aussi un petit peu. Il y a eu quand même début de ping-pong entre entre nous. C'est la première fois. Jusqu'à euh, le film d'après qu'on a fait ensemble, qui est Swimming Pool, et, et qui, pour euh, répondre à votre question, euh, euh, non, là il y a eu carrément une demande de François de créer la musique complètement à partir du scénario, avant même qu'il tourne. Voilà. Donc là, il y avait un, un désir de, de, de construire la musique euh, en parallèle de la narration euh, du film, puisque Sarah Morton, dans le film, Charlotte Rampling joue le, le rôle d'une romancière mmh. qui est en train d'écrire euh, une histoire, cherche l'inspiration. Euh, et euh, François m'a dit il faudrait que la musique euh, s'écrive mmh. un petit peu euh, comme si. Euh, C'est l'histoire qui s'écrivait en même temps et qu'elle euh, qu tâtonne comme ça, qu'elle cherche ses idées et que euh, le thème prenne forme au fur et à mesure. Euh, et, et donc, j'ai C'est que la ça, musique raconte la musique. Oui, oui, l'idée m'a plu euh, et du coup, bah, bah, j'ai fait par exemple euh, des notes comme ça au début, comme si vous aviez des idées qui viennent peu à peu. Puis une autre. Puis une autre. en route Merci beaucoup. Et là, donc euh, vous jouez l'histoire, vous composez l'histoire, et après comment on fait pour justement euh, que ça matche avec euh, les images du film que comment comment vous travaillez euh, à partir du montage du film Comment ça se <laughs> Comment ça se met oui, ensemble Oui, bon, dans cet exemple, c'est vrai que c'est assez rare de composer tous les thèmes. Cela, c'est un des thèmes. Mais il y en a oui. plein. J'avais oui. fait plusieurs, tous les thèmes principaux avant le tournage. Donc, euh, le, le, la monteuse a, a, a eu un matériau musical oui. qui, une fois que le film était tourné, lui a servi de, à monter les images sur la musique. Donc, elle a adapté c est, c est elle qui le a... montage-image, le rythme des images. Sur la musique pour une partie mmh. de ce que j'avais fait avant bien entendu. Et après moi j'ai reçu le film et à ce moment-là moi j'ai fait aussi le travail inverse, c'est-à-dire de voir à tous les endroits Merci. où il faut aller de la musique dans le film. Ça s'appelle le spotting. C'est un moment, euh, c'est un, une rencontre avec le réalisateur devant l'image et souvent avec le monteur image et on détermine ensemble où va intervenir la musique. Mmh. Donc c'est un échange. Euh, des fois on est d'accord, des fois pas d'accord, des fois on se dit, ben, on va essayer. Mm. Ou jusqu'où va aller un morceau, si, euh, si on le fait s'arrêter à cet endroit-là, ou, ou, euh, ou pas, ou si on lit deux morceaux ensemble, ou si on met pas de musique à un endroit pour oui, ça pouvoir aussi, ouais. mettre en relief une autre musique mm. qui mm. va arriver assez tôt. Donc tout ça est une construction, que, euh, comme un puzzle, de, de voilà, un assemblage de musique comme ça tout le long de la, de la partition et du film. Et donc là, c'est toute la partie du travail en studio il euh, y a aussi ah, les encore, ajustes... Voilà. Oui, on n'est pas encore on en temps, studio, quoi. là, enfin, euh, Sharon, on, on, on est d'abord encore dans, dans, dans le... La... Dans le... C'est ça, dans le pétrin. Du, dans, du travail, vraiment, on n'est pas encore arrivé à se dire allez, on va enregistrer. Mais il euh, y a un, quand même un travail en amont. Où, où, non, mais en tout cas, vous êtes devant les images, ben, j'imagine, quand même, vous êtes dans un studio, vous regardez tout le montage du film. Voilà, on est en salle de montage et on, voilà, et on, et on, on note le, les points de. de, de C'est là rentrer. où ils ajustent aussi euh, les scènes des films ils font encore des coupures d'images de, à ce moment-là. Ou ah bah oui, pendant voilà, tout, tout ça, le temps. Donc voilà, tout ça se fait euh, en même temps. Voilà, dans un ping-pong entre l'avancée du montage image et mes compositions qui arrivent, que je réajuste si jamais, lors d'une projection de travail, on s'aperçoit, le réalisateur s'aperçoit qu'il y a une scène où il faut couper un plan, par exemple, oui. ou une scène qui est trop longue ou, tôt, ou trop courte. Il va transformer sa, son image, me renvoyer la version ça, transformée et, et moi, je vais réajuster mon voilà. morceau pour que ça soit, qu'on n'ait pas l'impression que quelque chose... Elle a coupée ou rallongé. Quand vous, euh, vous composez des musiques pour un film qui a déjà été euh, tourné, monté, euh, qu'est-ce que vous allez regarder spécifiquement dans les images, dans les expressions peut-être, je ne sais pas, pour vous inspirer Qu'est-ce que vous regardez en particulier Tout. Tout ouais, tout. Les yeux partout euh... Les yeux les et les, les oreilles. Les, Parce que, les mots peut-être aussi. Je sais pas. Euh, oui, l'univers déjà du réalisateur, la rencontre, le, le côté humain de l'aventure. Tout, 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 tout influence en mmh. fait. Tout m'inspire. Euh, après, il y a l'histoire, puisque j'ai lu le scénario. Donc déjà, le scénario m'inspire quelque chose. Je me fais mon film à moi déjà en lisant, comme quand on lit un roman. Mmh. Donc je, je m'imagine déjà des idées premières. Quand je reçois les images, ces idées-là, je les... Marie, euh, si les choses ne sont pas harmonieuses, je les réajuste en fonction de ce qu'a fait le réalisateur de son scénario, mmh. comment lui, il a euh, transfiguré son film. Euh, et moi, j'essaye de, de m'harmoniser le, le plus fidèlement et le plus euh, euh, sincèrement, le plus euh, pertinemment possible avec le, vraiment le film lui-même, pour coller, qu'on qu ait l'impression que la musique ne soit la musique de ce film-là. Et ça. pas d'un autre. C est, c est, ça vient du film, ça vient mm. des acteurs, de leur euh, interprétation, de leurs expressions, euh, de leur voix, mm. du rythme de leur voix, de la photographie du film, du cadre si c'est un film en 235, en 1.85, euh, mm. l'atmosphère. Tout, tout est important. Tout et est le important. son. Oui, le son. J'écoute quand je compose, j'écoute beaucoup les directs. Et alors. Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui vous demandent euh, au moment d'ajuster ou pas, d'ailleurs, ou même au début euh, de la demande, est-ce que euh, voilà, ils ont des demandes très particulières euh, pour tel ou tel film Est-ce qu'au moment euh, de... quand vous ajustez justement, quand vous êtes vraiment euh, peut-être au moment du montage, on, on vous dit, euh, ben voilà, à ce moment-là, il faut que tu joues quelque chose de vraiment triste Ou est-ce qu'ils vous donnent liberté et c'est après seulement qu'ils vont... Euh, il y a des commandes temps, vraiment très précises. Hein, non, euh, très très précises, non. Je non. pense qu'ils ont des, des directions parfois, mm. euh, des, euh, des, des, des envies peut-être d'instruments, euh, en mais disant ça. Ah, ça serait beau, j'aime bien le violoncelle, par exemple. Mm. Euh, mais c'est jamais, ils ne il, il se risquent pas souvent à rentrer dans des détails musicaux parce que d'abord ce sont pas c'est pas leur langage vraiment et, et tant mieux parce que moi je préfère qu'on me dise je voudrais euh, ressentir la peine oui. de Charlotte Rampling dans le regard de ou dans le plan j'aimerais oui vous que... demandez plutôt les émotions que le public doit ressentir ou, euh, oui, plutôt, oui 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 ou des fois c'est moi qui demande aussi parce mmh. que euh, la musique de film c'est aussi le point de vue mmh. dans une scène on peut très bien avoir euh, euh, le point de vue d'un personnage ou d'un autre. Mm. Et la musique va accentuer ce point de vue-là. Donc ça peut être soit le point de vue du méchant ou du gentil, oui, oui, ou, ou alors même des deux, mm. parce que la musique évolue, mm. ça, ça s'appelle souvent de l'underscore, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que pendant qu'il y a un échange entre deux comédiens, euh, ou pour plusieurs, la musique s'immisce pendant les dialogues au-dessous et va euh, accompagner euh, d'une manière discrète, euh, les, les, et manipuler le spectateur ce que dire, en et fait, les vous, émotions vous, du spectateur. Oui, vous manipulez le public, en fait. Ah oui. C'est ça, clairement. Ah oui. D'accord, et la vous musique, Ah bien. oui, la musique peut, peut, <laughs> peut rendre une scène plus gaie euh, ou plus euh, triste euh, ou, plus, musique, ou plus tendue euh, avec, avec euh, euh, des accords de tension, euh, comme dans Boîte noire. C'est quoi, euh, des accords de tension Oh, là, au piano, comme ça, tout seul, c'est pas évident, mais. Euh, bon, non, non, non. Dans boîte noire, on a des, des choses comme ça qui sont. Donc, euh... ça, ça met déjà un peu mal Allez, à l'aise. C'est sûr. Avec quelques. Un petit rythme comme ça lancinant. C'est pas, et pas des... une ambiance rigolote. Non, voilà, on est déjà. Bon, là, c'est un exemple au piano, parce que mm. l'orchestration, évidemment, est primordiale pour et donner oui. l'ambiance. Donc, moi, quand je, je compose quelque chose, c'est indissociable, l'orchestration, mm. pour moi. J'entends euh, euh, la mélodie, ou j'entends euh, oui. les, 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 les motifs, mais j'entends la couleur aussi. C'est mm. très, très important. On parlait de swimming pool tout à l'heure. Euh, swimming pool, par exemple, comment on joue entre le vrai et le faux dans le film. Bien, euh, j'ai joué sur, sur les, les et, et beaucoup l'eau, la, mm. la piscine a un, un rôle oui, très important oui. dans le film. Donc il y a euh, des harpes, euh, des guitares, euh, euh, des flûtes. Euh, oui, mais et toujours au, par deux. Au le moment vrai où vous composez, faux. vous entendez déjà oui. tout ça. Ce qui fait tout que, que, ça que ça je vient un... voilà, j'enregistre avec des instruments pour pouvoir faire écouter mm. ça au réalisateur avant qu'on aille avec l'orchestre mm. enregistrer pour de vrai. Je fais ce qu'on appelle des maquettes. Et je joue moi-même de tous les instruments avec le son virtuel de l'instrument euh, et que j'enregistre sur des pistes. Et comme ça, il peut entendre ce que je... Vous avez dans la tête, oui, oui. Et avant de passer à l'enregistrement, euh, vous écrivez toute la partition. Et après, il y a un gros travail aussi euh, qui est fait par un copiste pour l'orchestre. Parce que, vous le disiez tout à l'heure, voilà. Vous nous avez apporté des, euh, des belles partitions là. Il y a quelques, euh, un certain nombre de portées. <laughs> Je vous montre. Je vous laisse les les montrer. Je ne sais pas si tu vois. Oui, bah donc ça là elles sont, elles sont. Voilà, c'est l'original. Hein. Oui, alors bon ça c'est, oui c'est mon manuscrit. Euh, voilà, donc là on peut voir euh, par exemple les donc, les. Euh, là c'est les... c'est votre partition. Voilà, ça c'est ma partition où j'écris voilà. par exemple bon. Euh, L'orchestre en entier, donc on peut voir les, bon, les flûtes ici, euh, au bois, euh, clarinette, basson, euh, bon, basses, clarinettes clarinette, contrebasson, les corps, euh, les trompettes, les trombones, euh, tuba, euh, les timbales, euh, euh, les cymbales, grosse caisse, le célesta, les harpes, le piano. Euh, et après tous les violons de l'orchestre, tous les, les seconds violons de l'orchestre, tous les altos, tous les violoncelles, toutes les contrebasses, etc. Et quand, euh, donc une fois qu'on a écrit ça, alors évidemment, euh, ça fait beaucoup de notes, mais ça dure euh, très, ça dure quelques secondes, en fait, ça, de là à là. Oui, c'est juste, c'est fini. Il faut passer à cette page-là. Il faut vite tourner les pages. Il faut vite tourner les pages, j'ai beaucoup de travail, énormément de travail pour... Peu de temps, oui, euh, ça. voilà, effectif. Ça. Euh, donc après, une fois qu'on a euh, composé toutes les voix pour tous les, pour tous les instruments, euh, ben le copiste, lui, son travail, c'est de recopier Chaque... voix par voix pour que les, tous les instrumentistes de, de l'orchestre aient leur propre, propre partition, partition et pas tout ça évidemment à, voilà, à lire. Ça. Et voilà. c'est euh, donc on a dit à 80 musiciens, ça fait combien de de partitions à faire. Bah, par exemple, combien d'instruments à euh, euh, ah, d'instruments, il faut je, pas non, une je, quarantaine prends, de euh, Oui, voilà. voilà c'est ça, ça. ça, Par exemple, pour Mon crime, le, film. le dernier film que j'ai fait voilà, bah de François Ozon, euh, euh, quand on a emmené les partitions pour l'enregistrement avec l'orchestre, il y avait 6000 pages. Voilà. Ah oui. Pour vous donner une idée. D'accord. Une fois que ce travail a été produit, les musiciens reçoivent leurs partitions. Alors ça dépend ça c'est euh, dans, 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 dans 80, euh, euh, dans, euh, dans, euh, oui euh, peut-être 10%, 10% je dirais plutôt des cas, ils ne le reçoivent pas mmh. parce que euh, vous avez vu le travail que c'est. Mmh. Donc bien souvent, le montage change qu'au dernier moment et on a peu de temps pour composer. Euh, donc euh, on travaille jusqu'à la dernière minute, la nuit avant, avant, avant l'enregistrement, on est toujours en train de corriger les choses, etc., donc, les musiciens n'ont pas vraiment le loisir de recevoir des partitions en avance, comme on travaillerait une symphonie de Beethoven, d'abord qu'ils qu connaissent déjà en plus <laughs> depuis très longtemps. Oui, euh, ça. Mais non, non, non. Alors, quand on peut, oui, on leur envoie quelques PDF pour qu'ils pour qu puissent s'entraîner chez eux quand il y a des parties un peu difficiles. Voilà, c'est euh, ça. De solistes ou... Euh, oui, par pour par noter exemple. des coups d'archet, des choses comme ça, des doigtés. Mais la plupart du temps, c'est du déchiffrage en direct. Voilà, c'est ça qui est, qui est absolument incroyable, c'est que, donc là, on fait l'enregistrement, les musiciens reçoivent, donc vous venez de le dire, leur partition là, un instant, ils vont déchiffrer et on enregistre. C'est un peu l'idée. Et on, on a le droit de refaire un petit peu quand même. On a le droit, mais pas, pas beaucoup, parce qu'on n'a pas le budget. Voilà pour refaire. <laughs> Donc il faut aller au plus vite et au plus efficace. Il faut aller très vite. Donc j'imagine que les musiciens qui font ce genre de travail, euh, c'est des très très bons. Ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Voilà. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce qu'il faut qu'ils aient à la fois une maîtrise totale de leur instrument, euh, une maîtrise du déchiffrage mmh. de musique nouvelle, qu'ils n'ont jamais entendue, et une sensibilité oui. très ambivalente. Parce qu'ils peuvent très bien... Moi, je peux leur, 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 leur un, emmener un, dans le même film un passage euh, contemporain et euh, très étrange, comme tout à l'heure, parce qu'il y a une scène étrange, c'est comme ça. Mmh. Et la scène d'après, c'est quelque chose de gai, et, et enlevé, euh, et virtuose. Mmh. Euh, et la scène d'après, c'est une scène sombre, euh, euh, et noire. Euh, donc, il faut... S'adaptent à des, des tempos différents, des tonalités différentes. Il ne faut pas oublier que dans une symphonie, il n'y a pas 36 000 tonalités. Mmh. Euh, voilà. Alors que dans la musique de film, euh, ça change tout le temps. C'est ça. ça. Donc là, c est, c est, vous disiez tout à l'heure, c'est une vraie naissance, la création directe. La musique prend forme. Là, on entend la réalité de ce que vous avez composé, que vous n'avez pas encore entendu jamais. Oui, oui c'est une. C est... C est c'est une incarnation d'une certaine manière parce que euh, ouais. euh, sur un, un orchestre symphonique, un concert, il voilà, y a des répétitions. on a le temps de s'habituer, de s'imprégner, ouais. de... tout à fait... là, c'est... je ne sais pas comment dire le mot, mais vous avez intense. utilisé naissance. voilà, c'est quelque chose là qui, qui prend forme d'un coup. Euh, en, quelques heures, euh, voilà, ah, oui, qui oui. était sur le papier euh, quelques instants avant. Ah, oui, oui. C'est comme je... ça que je le comprends, comme vous l'avez. Euh, bien sûr, par exemple, euh, une anecdote euh, pour euh, Joyeux Noël, le film de Christian Carion. Euh, euh, j'avais écrit, j'avais lu le scénario, et puis euh, quand j'ai quand j'ai fermé le, 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 le scénario, euh, il m'est venu tout de suite un, un thème. L'histoire m'a tellement touchée sur la, la, la fraternisation des mmh. soldats, vous savez, pendant la, pendant la guerre, euh, les 14, et, et dans les tranchées, entre les Allemands, les Écossais, les oui, Français. C'est de ils la trêve de Noël. Euh... Voilà, et donc cette, cette, cette fraternité, cette, 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 cette émotion que j'ai eue en lisant le scénario, tout de suite, un thème m'est venu. Mmh. Euh, euh, C'était devenu l'hymne des Fraternisés. Je peux vous en jouer deux notes. Oui, euh, avec plaisir. Uh. -huh. <laughs> Merci Donc ce thème, ce thème euh, il est dans le film, et il, est, il, est, il est suggéré, il est, il est chanté par les soldats, il est joué à la cornemuse oui, par est, les soldats. Sous euh, voilà. Formes. Et à la fin, le réalisateur m'avait dit, ça serait super de, le, de finir le film là-dessus, du mm. générique de fin avec l'orchestre, les chœurs, etc. J'ai dit merveilleux. Donc je, je, je prévois de faire cette cette orchestration-là. Et puis, au fur et à mesure des projections du travail, il, il doute. Il se dit, euh, est-ce que ce n'est pas trop, e trop expressif pour la fin du film Donc, il m'appelle, il me dit, finalement, pardon Philippe, je crois que je ne vais pas mettre ce morceau à la fin. Est-ce que tu peux faire un autre morceau pour la fin du film, plus sobre, plus bas Je lui dis, tu es sûr, parce qu'il faut que j'orchestre tout. Il me dit, non, 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 je ne le, le mettrai pas. Donc, je compose euh, le thème de l'absence à la place qui m'était inspiré quand j'étais allé sur le tournage. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans ouais. trop, de, trop de... On n'aura pas le temps, mais il y a tellement de choses à raconter. Euh, que Renaud Capuçon, d'ailleurs, le violoniste, vient d'enregistrer. Euh, il, il aimait beaucoup ce thème, il a voulu l'enregistrer le, le, là pour son prochain album. Donc le thème de l'absence. Donc j'en fais un morceau de, de 7 minutes, euh, parce que le générique était long. Je fais le thème de la guerre que je, je rallonge. Aussi, pour servir de générique de fin au cas où aussi. Et je pars donc, à Bayrol avec le London Symphony Orchestra, euh, avec toutes mes partitions sur le bras. Et puis, ben, la veille euh, <laughs> du deuxième jour d'enregistrement, le producteur me dit Tu as vu la bonne nouvelle, Philippe Je lui dis euh, Laquelle Il me dit Christian va mettre ton hymne à la fin finalement. Il aime trop cet, cet air, c'est formidable. Et là, la panique générale, je lui dis Mais je, je, je ne l'ai pas orchestré Comment ça Je lui dis Ben bah non, parce que c'était plus prévu. Donc, pour pouvoir faire 7 minutes plus 6 minutes de musique en plus au dernier moment, je n'ai pas eu le temps aussi d'orchestrer le. Ah, ah, dommage. Et donc, qu'est-ce qu'on a J'ai dit ben, Piano et chœur pour l'instant. Bon, mais il m'a dit Ça sera piano et chœur. Donc, je rentre à l'hôtel le soir. Et désespéré, je me dis Mon Dieu, c'est la première fois que j'ai le London Symphony Orchestra, 97 musiciens avec moi. Formidable. À Abbey Road, un rêve de gosse. Il venait d'enregistrer Star Wars deux jours avant. J'avais les mêmes musiciens. Et moi, je n'ai pas la partition pour leur donner pour mon hymne que j'ai écrit en premier dans ce film, ce n'est pas possible. Donc j'ai passé la nuit et j'ai orchestré toute la nuit la partition. Le lendemain, je suis arrivé au studio, pendant la pause, j'ai fait la suite. Pendant la pause déjeuner, j'ai fait la suite. Et le bibliothécaire a fait des photocopies, des photocopies. Et on a donné ça aux musiciens juste à la fin de la journée. C'est fou. On l'a fait, une prise, <laughs> et c'est ce qui est dans le disque. C'est formidable. <laughs> voilà. C'est incroyable. L'histoire incroyable. Voilà que pour Mais... rejoindre les demandes parfois des réalisateurs, bon, c'est un peu extrême. Moi, je ne ferai pas ça tous les jours. Oui, Mais oui, euh... les changements d'avis. Euh... Ça, peut, ça peut arriver. Un film est toujours en mouvement, toujours en création. Oui, non, c'est absolument incroyable. Et puis, il faut s'adapter voilà, au dernier moment. Enfin, c'est incroyable. <laughs> et là, là aujourd'hui, euh, euh, qu que, quelle serait la consécration euh supplémentaire, qu'est-ce que... Non, je n'y je, ai pas réfléchi. Je, je suis heureux, je, fais, je continue à raconter des, 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 histoires. des histoires, comme depuis que je suis petit. Euh, euh, là, oui, la consécration. voilà, c'est quand un musicien comme Renaud Capuçon a ouais. euh, envie de jouer ma musique, en, euh, quel, la musique finalement dépasse euh, le, le cadre la... euh, du film, ouais, et en ça. soi, euh, suscite un intérêt à, à être écouté, à être joué en concert. Donc, en oui, ça a été le concert que j'ai eu l'honneur de, de faire de toutes mes musiques avec un orchestre symphonique, euh, où on, on m'a souvent demandé, est-ce que tu peux jouer les musiques en, en dehors oui. des, des films donc j'ai ça... des demandes tout le temps de partitions. Ou... Ça c'est ce qui vous touche euh, beaucoup aujourd'hui, c'est oui. pouvoir jouer, continuer de jouer vos musiques et de les faire jouer. Oui, qu'elles soient jouées, qu'elles vivent et que qu euh, de vivre, les hein. musiciens prennent du bonheur et du plaisir à les, à les jouer et, et transmettre ces musiques euh, au public euh, plus en direct que à travers l'image aussi. Vous êtes en train de composer en ce moment euh, Oui. oui. Bah justement la musique du prochain film de de Yann Gozlan, pour qui j'ai composé euh, Boîte Noire. D'accord. Euh, c'est s'appelle Vision et ça sort le 6 septembre. Donc en pleine euh, création. Voilà, on est sur la fin là. Mais là, vous avez eu le scénario avant J'ai le scénario avant, euh, toutes les étapes ont été, euh, ont été franchies. Donc là, c'est vraiment la composition. Euh, là, euh, là c'est le mixage, on est carrément... Ah c'est oui. même le disque là maintenant. Très pour avancé, on très avancé. Oui, là, on prépare le disque. Je vous remercie. Philippe, moi aussi. Pour merci. Euh, ce moment passé bon, avec accueil. vous et c'est vrai que voilà, on passerait bien. Euh... Ah, il y a beaucoup de choses. Beaucoup oui, de choses puis à vous écoutez jouer euh, <laughs> beaucoup plus qu'aujourd'hui. Euh, en tout cas, on ira revoir les films pour écouter vos et puis prendre les CD également des bandes originales de vos films. Avec plaisir. Merci beaucoup Philippe de nous Merci. avoir partagé ben, votre métier et puis votre passion. Hein, parce qu'on a compris que euh, voilà, sans ça, euh, non, ça ne marche, <laughs> marche pas. Merci beaucoup à l'équipe euh, technique, à notre réalisateur. Euh, Arnaud Oudéyé, je remercie également la direction et l'équipe de la résidence de Bourg-la-Reine qui nous a accueillis, les résidents qui ont assisté au tournage. Et merci à vous qui nous avez écoutés. Je vous dis à très bientôt pour un prochain studio d'Omitis ou sur notre chaîne YouTube. A très bientôt, au revoir.